Ma venue, c'était surtout pour voir le centre Ismaël Abboudou que j'avais vu il y a maintenant 6-7 ans. J'avais vu juste le terrain. Et voilà, maintenant nous sommes aujourd'hui concrètement dans ce théâtre. Et je trouve que c'est assez miraculeux d'aller aussi loin pour voir la conviction d'une personne qui vous parle de ses projets et que finalement nous sommes concrètement dans ce théâtre. Et je suis vraiment époustouflé, j'allais dire. La venue d'Erraza, pour nous, c'est quelque chose de magique parce que c'est un pionnier de la danse en France, la danse jazz. Et sa venue aussi marque justement une continuité dans notre travail, car c'est par rapport à lui, par rapport à nous, qu'on a pu monter deux formations de l'EAT, examen aptitude technique, c'est le passeport pour aller au diplôme d'État. Il y a beaucoup d'élèves qui ont eu leur EAT, qui sont partis, qui sont dans la formation du DE. En même temps aussi, pour faire passer une audition à des jeunes danseurs pour une création jeune public. Voilà, donc pour nous, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de projets. Bon, mais il est venu là pour 5 jours, après il va repartir, pour revenir après si les choses se passent comme nous, on a prévu.